Onex s'est contenté de la troisième place dans le prix jockey. Il n'a surtout pas démérité en allant de l'avant. On a pu remarquer que pour les parcours de vitesse, il semblait préférable d'attendre. Les parcours de tenue, pardon. Ouais. Voilà, plutôt. Les parcours de tenue, ouais, sûrement. Sûrement. C'est vrai que sur les parcours de vitesse, il est très très bon. Alors, on ne prenait pas de risque, on allait prendre. Maintenant, sur un parcours de tenue, je pense qu'il serait préférable de cacher. Hein. Il a toute sa carrière, presque fait toute sa carrière en étant caché. C'est la vitesse meilleure, donc va falloir le préserver. Il est sans doute pas moins bon comme ça en plus. Non, 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 il est certainement meilleur hein, à finir sur les autres. De toute façon, voilà, on est battu la dernière fois, mais voilà, on est tout proche, il n'a pas démérité. Donc, je pense qu'avec la bonne course, il devrait être dangereux. Hein. Même dangereux pour la victoire. Attention, il avait été très dominateur à Enghien. Ce qu'on pourrait peut-être reprocher, même si c'est pas un reproche, c'est qu'il soit prêt depuis un petit moment. En tout cas, le plus dur, c'est sans doute de garder la bonne carburation. Oui, peut-être. Peut-être maintenant, c'est quand même des cracks. À chaque fois qu'il a fait une course dure, la course d'après était très bonne. Donc, je m'inquiète pas vraiment de ça. Normalement, ces chevaux-là, ils savent encaisser quand même. Le cheval, il prend du poids, il a le moral. Donc, à mon avis, ça, c'est pas une question de... C'est pas un point négatif, je pense, au contraire. Il sera peut-être pas favori dimanche, ou alors il sera co-favori avec des chevaux qui pourraient être déférés des 4 pieds pour la première fois, mais on a envie de dire, il peut quand même s'imposer, il n'y aurait rien à dire. Bien sûr, il a fait voir tout l'hiver et même cet été qu'il était l'un des meilleurs de sa génération, il est capable d'aller avec les queues, il est endurci. Faut faire attention à lui, hein. C'est pas parce qu'on est battu la dernière fois que. Vous partez par Asie, François? Ah non, certainement pas. Non. Voilà, il faut avoir la bonne course, il faut que tout se déroule bien, mais il va être dangereux.